Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes, et ne soyez pas de nouveau pris au piège, par le joug de l'esclavage. Voici, moi, Paulos, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est obligé de pratiquer la Torah tout entière. Vous êtes séparés du Machia, vous tous, qui vous justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. Car nous, c'est par l'Esprit, en vertu de la foi, que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Car, en Machia Yehoshua, ni la circoncision ni le prépuce n'ont de force, mais la foi qui opère, par le moyen de l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté, pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la condamnation. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Si seulement, ceux qui vous agitent étaient retranchés. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de cette liberté, comme d'une occasion pour la chair. Mais, par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Car toute la Torah est accomplie, en une seule parole, en celle-ci, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Mais si vous vous mordez, et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mais je dis, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Or si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. La Torah n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont au Machia ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur, nous provoquant les uns les autres, nous enviant les uns les autres.